si maintenant je devais faire une exaltation des meilleurs clichés du rap, qu'est-ce que ça donnerait? Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. T'es sûr que tu vas rapper sur du Booba là? Ils sont mignons comme tout. Cas où tu ne connaîtrais pas mon frère à mes côtés, mon aura. Je ne comprends pas. Y'a pas de rap sans vulgarité. Non. Ou sinon c'est Big Flo et Oli. Que j'embrasse fort. Deux petits garçons qui sont frères, qui ramènent leur papa à plaisir. Oui. Ils sont mignons comme tout. Waouh. Eh bonjour les dragons! Qui regarde Dragon Ball Z? Yes, ok, ça va? Ah oui! On t'a rien demandé toi, ta gueule! Je te pisse au cul moi! Dégage là! Ah, il m'a saoulé, bon bref. Donc aujourd'hui je fais les faritas. Ça marche. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur les fans de Big Flo et Oli. Mais le problème, c'est que je vais un peu clasher Big Flo et Oli. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit! Ah ah, hey Jamy, ça veut dire quoi ça? Les autres dites rien. Du cannabis! Alors déjà, faut que je dise un truc. Comme Big Flo et Oli sont les chouchous des youtubeurs populaires, y'a des gamins qui vont venir. Donc toi, l'enfant de 13 ans, fan de Big Flo et Oli, mes vidéos sont vulgaires et peuvent te choquer. Mais bon, rien à foutre si tes parents sont irresponsables. Je n'ai jamais aimé ce gosse. En plus, ils t'ont appelé Donald. Donald. Attendez, parce qu'au final, appeler son fils Donald, c'est un avortement retardé. Démonétisation. Mais quoi, elle était drôle cette blague YouTube. Fils de pute. Ok les gars, le patron de YouTube s'appelle Donald. Bref, donc Big Flo et Oli. Alors c'est deux frères, et il y en a un des deux qui est moche. C'est faux. Mais bien sûr que si. C'est prouvé. Regardez-moi ce front vertigineux. Wow, attendez. Il s'était pas écroulé le mur de Game of Thrones? Merci monsieur le professeur. Non, en vrai c'est pas gentil, j'arrête. Donc je disais, donc c'est deux frères qui ramènent leur papa à plaisir rap. Non, cette fois-ci j'arrête. Donc ces deux frères qui rappent plutôt bien en vrai, mais qui ont des paroles un peu cucu. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Il y a des beats de blanc, il y a des beats de noir. N'hésitez pas à dire votre préférence. Hashtag balance ton sgay. Bon, du coup, premier fan, les gros débiles. Oui, c'est moi. En fait, dans la vie, dans les commentaires sur YouTube, j'ai déjà vu des fans sortir. Ouais, mais Big Flo Oli, c'est pas comme tous ces rappeurs vulgaires. Ils sont différents, eux. Y a pas des filles à poil dans leurs clips. Ok. Oui, il y a encore des gens qui disent ça. Et si vous me croyez pas, eh ben il y a des gens qui se baignent dans leur merde. Oh, c'est vrai? Et je me suis branlé avec. Bref, revenons aux fans. Donc en fait, eux, je vais les appeler les hardissons. Contrairement aux apparences, vous êtes rappeurs. Donc les mecs, ils parlent de rap, mais sans aucun cliché. Vous savez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Vous n'êtes pas noir. Mais putain, mais ta gueule, putain. Ta gueule! Donc non, y a pas que Big Flo et Oli qui ramène pas des teupus dans leur clip. Donc fermez-la! Parce qu'à force de raconter de la merde, on se demande si vous vous lavez les dents avec du canard WC. Exceptionnel! D'ailleurs, je vous apprends 2-3 trucs. Les Chinois ne mangent pas que du chien. Il a raison. Et toutes les mamans ne se font pas niquer. Sauf celle d'Ardisson. Et celle de Cyril Hanouna aussi. Ok, maintenant, deuxième fan. Alors ça concerne le truc d'Orelsan là. Mais avant de parler des fans, faut dire un truc sur cette phrase bidon en fait. Dans ce milieu, j'ai été très déçu. Comme la fois où Orelsan nous a refusé le feat. Ok Google, comment on appelle ça? Une gigantesque victime. Ah, victime. Comme ça fait mal. Non mais c'est quoi ça? Orelsan, il a refusé le feat. Ferme ta gueule toi. Putain, cette phrase de victime quoi. Non mais faut arrêter là. Tu comptes nous raconter quand ta mère elle t'a vu te branler la première fois aussi? Avec une chaussette en plus. Je m'en souviens. Papa. Alors Orelsan aurait refusé le feat. Eh ben ouais les gars, vous êtes dans la feat zone. Feat. La feat zone. Non mais le pire c'est que ça serait un hommage à Orelsan. Ah ok. Donc désolé mais Big Flo et Oli, c'est des rimes ou des queues qui sortent de leur bouche? Non mais parce que les mecs sucent tous les rappeurs hein. Déjà dans des interviews, Booba c'est l'anti-Voldemort, Booba c'est Dark Vador, et Booba c'est Wolverine, Booba c'est Gollum aussi. Mais du coup Orelsan ça serait pas Gandalf? Parce que quand vous lui demandez un feat, il vous répond: merci. Donc maintenant parlons des fans. Alors forcément ils ont réagi. Mais bon, préparez-vous hein. Oh, Orelsan m'a déçu. Je ne le voyais pas de cette manière. Il est prétentieux et se prend pour un rappeur. MDR, le Pokémon du rap. LOL. Je chie à la gueule d'Orelsan. Oh, on se calme. Orelsan a collaboré avec Hitler en 42. Oh, je suce tous les sbouts de Paname. Arrêtez, ça suffit. Orelsan est arrêtez. Bon voilà, c'était leur réaction. Ils sont débiles. C'est grave. J'ai pas grand chose à dire, mis à part que ils parlent d'Orelsan, mais leur cerveau c'est comme son album. Il a liké. Va t'abonner à la chaîne. Voilà, maintenant troisième fan, les fans excessifs. Alors il y en a plusieurs, du genre Big Flo et Oli, c'est les meilleurs rappeurs du rap français. Deux secondes, je demande à un docteur. Ah, vous avez de la merde dans le cerveau. Merci docteur. En fait j'ai l'impression dans votre échelle du rap, il y a Tupac en 100ème position et en 3ème t'as Gin Ali.
Ouais, le top quoi. La crème. Et c'est pas tout, il y a même des gens qui chialent sur leurs chansons. Rigolez pas. En mode, le mec il est comme ça. C'est la goutte d'eau qui fait déborder. Crétin. J'ai compris. Et j'en profite. Tous ceux qui font la même avec moi, du genre. Et Potato, c'est le meilleur youtubeur. Je m'en fous. Arrête de m'aduler, sale pute. Voilà. Alors avant de finir, je voudrais m'excuser à Big Flo et Oli. Parce qu'on vient de m'annoncer dans l'oreillette qu'ils auraient fait des feats avec de grands rappeurs. Attendez deux secondes. Véronique. Non mais c'est qui ça? C'est ça le rappeur là? C'est un drone? Et voilà. Si vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, hop, les petits pouces bleus. Peace.